Le psaume chapitre 133. La Bible dit ceci. Voici, pour qui est agréable et qui est tout, et les frères de l'enlever ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici qu'il est doux. Non, il crie, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de l'onction. Et ce soir, qui était là la semaine dernière? Parmi ceux qui étaient là la semaine dernière, peut-être 5, 6. Bon, la pote était là, mais c'est bon, comme j'étais là, c'est bon. Parce que moi, comme je prends mon temps pour faire les préparer des enseignements, sachez que le dernier jour de ma main d'intervention, ce mois-ci, je prends un temps pour vous interroger sur ce que vous avez compris. Amen. Amen. Vous allez m'enseigner, vous, à votre tour aussi. La Bible dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ce soir, j'aimerais parler, le Saint-Esprit aimerait nous parler d'une onction qui réside dans l'Assemblée. Oh, ce soir, Dieu nous interpelle sur une onction qui réside lorsque les frères demeurent ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui aiment dire, oui, moi, à cause d'une situation ou d'une autre, je préfère prier à la maison. C'est bien, frère. Gloire à Dieu. Si tu arrives à être discipliné dans la prière à la maison, je bénis le Seigneur pour cela, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une onction particulière sur l'Assemblée, qui n'existe pas quand on est seul à la maison. C'est vrai, la Bible nous dit, quand vous êtes chez vous, rentrez dans le secret de la chambre, fermez la porte, et là, il y a un tête-à-tête avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment. Mais ce soir, le Seigneur nous interpelle sur l'onction qui réside lorsqu'on est ensemble. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il ne s'arrête pas là, il explique pourquoi. Il dit parce que lorsque vous êtes ensemble, lorsqu'on est ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui fait quoi? Qui est répandue sur la tête. Autrement dit, il y a une onction, une huile, un jour, quelque chose que Dieu dépose uniquement quand on est dans l'Assemblée. Je vais aller plus loin. Il y a quelque chose que Dieu dépose quand on est dans un service. Je vais l'expliquer. Quand le Seigneur dit, il y a quelque chose qu'il dépose quand les frères sont ensemble, c'est relatif à l'Assemblée. Mais la chose qui est déposée commence par la tête. C'est-à-dire que commence par le leader. Et cette chose se répand afin de toucher ceux qui sont là. Quand on est dans un service, la chose que Dieu dépose commence par la tête, commence par le responsable. Et souvent, l'apôtre m'a interpellé sur le fait du discipulat. Il faut avoir des disciples. Ce n'est pas normal pour un responsable de ne pas en avoir. Vous savez, un disciple, c'est celui qui a reçu l'onction qui coule de toi. C'est celui qui, quand tu dis quelque chose, il va dire oui, je vais le faire. Pas parce que j'ai envie, pas parce que j'ai le temps, mais parce que tu me demandes de le faire. J'interpelle ici le responsable. Moi-même, hein, je m'interpelle. Je vous interpelle. Si vous n'avez pas dans votre groupe, quelqu'un sur qui vous pouvez, à qui vous pouvez dire, bon, aujourd'hui, tu vas aller à tel endroit, tu vas me prendre.
vas, on va jeûner pendant 2 jours, pendant 3 jours. Et cette personne le fait, il y a un problème. Il faut chercher cette onction. Qui fait que quand vous êtes au milieu de l'assemblée, on écoute le leader. Papa, quand mon me racontait, quand on me critiquait, quand on va se voir, je vais dire, voilà. Maman, quand moi j'ai dit des choses ici, tu vas dire des choses. C'est pour ça que je n'ai pas dire des choses. Mais il pouvait me dire, je suis aux côtés de cet homme parce que je sais ce que je tire de lui. Oui, il y a quelque chose que nous tirons de la tête. La Bible dit, l'huile commence par la tête. Parce que vous pouvez répondre l'huile, et puis bon, on jette l'huile, et puis l'huile, vas-y, allez, je jette au ventre. Nous qui sommes des femmes, on a tous les mots de ventre. Allez, on jette l'huile au ventre, et puis le ventre se répand, c'est le sang des entrailles, c'est le sang de la naissance. Et puis on s'arrête là. Mais le Seigneur dit, il commence par la tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu commences par la tête? Pourquoi cette huile se répand d'abord par la tête? Et je regardais, quand on parle de la tête, on parle du cerveau. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai écouté ce que j'ai pu récolter comme information concernant le cerveau. J'ai lu que le cerveau, c'est le siège de nos sentiments. C'est le siège de nos réflexions, de notre identité. Le cerveau, c'est le quartier général du système nerveux. Plus de 10 milliards de cellules transmettent et reçoivent des informations de différentes parties de l'organisme. Quand quelqu'un a le cerveau touché, quand quelqu'un a la tête touchée, vous allez le constater. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous appréhendons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, passe, on communique au cerveau tout de suite. Le cerveau reçoit l'information et renvoie une information. Le cerveau reçoit l'information, j'ai touché ça. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est humide? Est-ce que est-ce que ça se plie? Est-ce que ça... Donc, dès que je touche, les centres nerveux qui sont autour de mes doigts transmettent l'information au cerveau. Le cerveau renvoie une information en disant, ce que tu viens de toucher, c'est du verre. Vous allez voir que même les aveugles, même s'ils ne voient pas, parce que leur cerveau fonctionne, ils vont toucher, ils vont dire, là, c'est une femme. Tu vois, mais comment ils savent que c'est une femme? La dernière fois que j'écoutais les informations, il y a une femme qui était aveugle, elle était avec son chien, je crois qu'elle avait retiré de l'argent, ou elle se baladait, on l'a agressée. Et l'homme lui a pointé une arme. Elle a dit, j'ai touché, je sentis que l'homme était froid, je sentis que l'objet était froid, je sais que c'est une arme. Elle était aveugle. Bon, entre parenthèses, il est quand même méchant. Il a mis 2 mois, 2 000 euros. Ouais, je n'ai pas 2 000 euros. Il a commencé à menacer son chien. Sinon, je tue ton chien. Ouais, elle a dit, bon, prends 800 euros, c'est tout ce que je peux retirer. Une aveugle. Bon, il y a des gens vraiment mais ce que je veux dire, c'est que elle a touché quelque chose, l'information est montée jusqu'au cerveau. Le cerveau a renvoyé l'information et lui a dit, c'est une arme. Et à cause de cela, elle obéit à ce qu'on lui demandait de faire, bien qu'elle ne voulait pas le faire. L'huile est obligée de passer par la tête parce qu'il faut un renouvellement de notre conscience. La Bible dit, hein, c'est une huile précieuse. Lorsqu'on regarde dans la Bible, l'huile d'onction était préparée de manière particulière. Aujourd'hui, on prend de l'huile d'olive, on dit que c'est l'huile d'onction parce qu'on prie le sang béni et puis on... Mais quand on regarde la préparation dans l'Ancien Testament, il y avait des aromates qui étaient mis, il y avait des choses qu'on préparait pour que ce soit l'huile qui servait à l'onction des sacrificateurs. Le Seigneur a besoin que cette huile vienne sur nos têtes parce qu'il a besoin que nos mentalités changent. J'ai souvent prêché sur les mentalités parce que je crois que c'est la base de comment, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre identité. C'est dans nos cerveaux, nous avons l'identité. Je suis gabonaise de la région de Libreville, du groupe ethnique Nyené, de Machin. Je vais rester sur cette identité et je vais me rapporter à cette identité. Ce que je vais faire va être lié à cette identité-là. Mais si l'huile coule sur ma tête,
vient changer mon mode de fonctionnement. Je ne vais plus seulement avoir cette identité de Gabonaise liée à un groupe ethnique. Je vais avoir l'identité de fille du royaume. L'huile, quand elle vient, elle se répand dans nos narines, elle se répand dans nos oreilles, elle va jusqu'au cerveau. Parce que vous savez, quand le but de l'ennemi, quand il vient, c'est de pondre dans nos têtes des choses. On va commencer, c'est pour ça que, au-delà de la tête du cerveau, on parle de la tête du leader. Si on n'est pas, j'allais dire conforme, mais ce n'est pas le terme approprié, mais si on n'est pas soumis au leader, si on n'est pas dans la vision du leader, vous allez voir qu'on ne va pas marcher de manière correcte. Vous savez, le problème des fous, c'est que leur cerveau touche. Les informations qu'ils reçoivent, les informations que le cerveau reçoit et que le cerveau transmet, il y a un problème. Alors qu'il est venu, lui, va penser qu'il est habillé. Parce qu'il se voit, on est habillé, mais quand tu es là, quand tu sens que. Parce qu'on voit souvent des filles qui sont. On dit, mais attends, il y a le vent. Tu sens que même si tu t'es oublié le vent, ma jupe est courte, mais il y a le vent. Quand le vent passe, tu sens que. Ah, c'est bizarre. Hein, le vent qui. Tu sens qu'il y a un problème. Mais le fou, lui, ne sait même plus le vent, il est venu, mais il ne sait pas qu'il y a le vent qui traverse son corps de part et d'autre. Lui, il pense qu'il a des vêtements. Parce que les informations qu'il monte et qu'il reçoit sont totalement chamboulées. Et c'est là que l'ennemi va opérer. Il va nous transmettre des informations qui vont être fausses. Vous allez voir, je lisais un passage où il dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas, mais malheur à celui par qui cela arrive. C'est impossible que dans l'église il n'y ait pas de scandale. C'est impossible, c'est Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. C'est impossible d'empêcher le scandale. Maintenant, le problème, c'est que tu ne sois pas l'objet du scandale. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que souvent, l'ennemi va mettre dans nos têtes des idées totalement erronées. Là, maintenant, on dit, non, mais toi, tu laisses le prophète de l'ennemi prêcher là, laisse-lui. Il s'appelle Zali, il est bêté. Quand il va venir, ils vont parler du village, il va parler. Donc, toi, c'est ce que l'ennemi sait pour nous. Ce sont les gens qui pensent. Qu'il prenne, pardon, dans notre cerveau, et chaque fois que nous allons voir le prophète venir, on va, avant même qu'il ait commencé à dire Amen, tu as déjà, l'ennemi est en train déjà de souffrir. Non, il va encore venir parler de l'été, il va parler du village, il va parler de la sorcellerie. Va. Donc, toi, tu t'es focalisé sur ça. Et tu ne vas pas recevoir l'information exacte parce qu'elle est perturbée par les œufs que l'ennemi a pondus, pardon, dans nos têtes. Le Seigneur de l'Église doit commencer par la tête. Doit commencer par changer cette façon que nous avons de voir. Mais cela n'est possible que quand on est ensemble. Cette façon de faire, et c'est pour cela qu'il est spécialiste de l'isolement. Je vous assure, les personnes qui aiment être seules là, faites attention. Poursuivez-les. Parce que ça veut dire que l'ennemi commence à te retirer. Même quand on voit les chasseurs, hein, dans le monde animalier, la lionne, une grande chasseuse, c'est elle qui nourrit le troupeau, enfin, la communauté. Elle est forte, elle est rapide, elle est puissante, mais elle ne s'attaquera qu'à celui qui est isolé du troupeau. Si vous êtes plusieurs, elle ne va jamais venir avec toute sa force, toute sa puissance, toute son agilité, tout ce qu'elle possède. De la chasse. Si vous êtes plusieurs, elle ne viendra jamais. Mais dès qu'elle va voir un petit qui s'est isolé du groupe, elle va se demander à ses amis. Et c'est ce que l'ennemi a fait. Il va commencer à prendre des œufs dans nos têtes qui vont faire comme. Il va te dire, mais réfléchis bien. Toi-même, regarde bien. Depuis que tu es à l'église, tu n'as même pas avancé. Tes problèmes se sont multipliés par trois. Sinon par 10. La fin que tu es venu déposer un sujet là, au pied des serviteurs, depuis que les gens ont commencé à prier, jeûner, ils t'ont même introduit dans les jeûnes d'une semaine, le problème n'est toujours pas résolu. Qu'est-ce que tu fais là? Donc il va venir de manière isolée. Il va venir pondre les œufs dans la tête de manière à retrancher du groupe.
t'appelle pas. Tu ne viens pas, on ne t'appelle pas. C'est comme si tu n'existais pas dans l'église. Pourtant, ta dîme, tu payes. Pourtant, quand il y a les offrandes, tu payes. Quand il y a les cotisations, tu donnes. Quand il y a quelque chose, tu interviens. Tu te manifestes. Tu es toujours disponible pour le faire. Mais qui t'a même déjà mis un jour? Ah, à cause de ce que tu fais, tiens même son nom. Le diable va venir mettre de telles pensées. C'est pour ça que Satan dit, il faut que ça commence par la tête. Il faut qu'il y ait dans Romains 12, écoutez ce que la Bible dit. Romains 12. Romains 12. Et nous l'avons lu hier à la cellule. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le Saint-Esprit dit, il y a une onction qui se trouve dans l'assemblée, qui fait que votre mentalité change. Une onction qui est communiquée par le leader. Vous allez voir, moi je dis toujours, avant que je ne vienne à CLM, pour moi, tout était ou blanc ou noir. Il n'y avait pas gris, rose, fuchsia, rose, non. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Si je vois quelqu'un qui est en train de pécher, je dis qu'il n'est pas chrétien. Si je vois quelqu'un qui est dans la femelle, je dis tout de suite qu'il est païen. Mais non! Non! Et puis, dans Christ la lumière du monde, on a appris qu'il peut être chrétien, et puis tout de suite être dans un moment de faiblesse. Tu veux le voir, mais ça ne veut pas dire que tu vas le condamner. Ça ne veut pas dire que tu vas le juger. Ça ne veut pas dire que tu vas t'en détourner comme. Ça, un serviteur, on va arrêter sa bosse. Arrêter le blague. Non. Mais moi, j'étais parce que j'avais cette mentalité que j'avais reçue de l'église où j'étais. Parce que pour nous, quand Dieu allait venir, il n'y avait pas une autre église qui allait prendre, sinon l'église où on était. Ça veut dire que les autres églises, certainement, ils allaient rester. La seule église de la Bible, non. Donc pas la Bible, une église sans tâche, qui rit rien des semblables, qui doit s'éteindre. Mais en plus, après, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de rites même là-bas. Mais ce que je me dis, c'est que moi, nous inculquait ça. La dernière fois que je discutais avec Montana et Kéti, je disais, pour chaque leader, il y a un appel particulier. Pour chaque musique, pour chaque église, il y a un appel lié, il y a une vision liée à l'appel reçu du leader. Donc, on est dans l'assemblée, on est façonné par l'appel du leader. On est façonné par la façon de faire du leader. C'est pour ça que Dieu dit, il va d'abord déposer l'huile sur la tête. D'abord sur la tête. Afin que le reste du corps puisse en être imprégné. D'abord sur la tête. Afin que dans nos mentalités, dans notre façon de voir, nous puissions changer. D'abord dans la tête. Je vous assure, en ce moment, je suis en train d'être révolutionné dans ma manière de servir le Seigneur. Je me dis, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On est dans un certain confort et puis on ne peut pas sortir de notre lit de confort. Je suis habitué à venir le mercredi. Bon, si je viens le mercredi, même si je n'aime pas venir, ça fait quoi? Parce que samedi, je vais venir. Bon, même si je ne viens pas samedi, je suis venu mercredi, je vais venir dimanche. Bon, sûr, hein, une semaine, ça fait deux jours, je viens, c'est pas grave. Non! La mentalité que Dieu veut pour nous, c'est que quand on dit réunion mercredi, tu sois présent. Réunion vendredi, tu sois là. Samedi, tu es là. Mais est-ce que, il n'y a pas de réunion. Tu commences à dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire le samedi? Et le dimanche, tu es présent. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin que dans tout notre être. Vous savez, il y a ce verset qui dit que nous devons rendre un culte à faire, offrir notre corps, hein, offrir nos corps, en offrande et offrir. J'arrive à. Quelqu'un peut m'aider sur ce passage? Un culte agréable. Nous devons offrir, je c'est dans vos mains, offrir notre corps en sacrifice. En sacrifice. C'est de notre part un culte raisonnable. Offrir notre corps en sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice ne tient pas que sur lundi,
ne tient pas sur vendredi. Et puis on se dit, bon, moi, mardi, jeudi, non, je, ça, vraiment, je me réserve cette journée. Il n'y a pas de je me réserve. Il n'y a pas de je me réserve. Parce que tout ça, c'est pour Dieu. Dieu ne veut pas une partie, il veut le tout. Il ne veut pas que nous soyons dans la parcimonie. Bon, si mercredi je suis là, c'est pas grave si je ne viens pas vendredi. Même si, bon, d'accord, je vais faire l'effort, je vais venir mercredi, vendredi. Quand vous t'appelez, oh, mais frère, je n'ai pas venu à la répétition. Non, mais parce que j'étais déjà à l'église mercredi et vendredi. Mais qu'est-ce que ça a fait? Aujourd'hui, c'est ça. Là. Bon, tu n'es pas venu dimanche. Oui, non, mais parce que j'étais là mercredi, vendredi, j'étais même là samedi. Non, dimanche, je ne peux même pas venir. Non. Le Seigneur fait tout comme un sacrifice. Et c'est cette mentalité-là, c'est pour ça que lui, il doit commencer par la tête. C'est ça qu'il veut changer en nous. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est justement de raisonner ainsi. C'est de se dire, bon, j'ai 7 jours dans la semaine. Je vais consacrer à Dieu 2 jours et demi. Donc, 2 jours et demi, ça coïncide avec la journée du mercredi, donc de l'enseignement, un culte le matin, et c'est bon. Donc j'ai fait mon quota. Ça c'est la façon de raisonner du monde. Parce que dans le monde, on raisonne toujours en termes de quota, de quantité, de pourcentage, de bon, tu as investi tu vas récolter 3, tu as ce. Ça, c'est la façon de raisonner du monde. Mais que dis-moi, je veux tout. Je ne veux pas que tu sois dans les calculs où tu me donnes un peu. Et c'est pour ça que l'huile commence à couler par la tête. Alléluia. Amen.